conduisais comme d'habitude et soudain, je suis devenue minuscule. Nous devons te ramener à ta taille normale. S'il te plaît, dépêche-toi. J'ai des passagers à récupérer. On va t'aider. Morphle, transforme-toi en bus. Morphle, regarde, tout est minuscule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est l'officier Freeze? Ah! Oust! Éloigne-toi de moi! Oh, merci, Mila. Les bandits m'ont rétréci au moment où j'allais monter dans ma voiture. Je savais qu'ils étaient derrière tout ça. Mais comment allons-nous les trouver? Je sais! Nous allons suivre la piste des objets rétrécis. Morphle, transformez-toi en voiture de police et rendons cette journée vraiment magique! Morphle! Un mini ballon de foot? Ah, bizarre! Un mini commissariat de police? Oh, ils ont même rétréci le camion de crème glacée! Quoi? Pas dans ma ville! Les bandits sont forcément passés par là! Mais où sont-ils maintenant? Une minuscule petite grue! On doit récupérer ce rayon rétrécissant! Attrape ces méchants bandits, Morphle! Donnez-nous ce rayon rétrécissant, vilain bandit! Jamais! Laissez-nous partir! Zap! Maintenant rétrécis, Morphle! Hey, qu'est-ce qui se passe? Morphle, attrapez Bandy! Merci pour votre aide, Mila et Morphle. Je pense que vous allez garder cette taille un bon moment. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Oui, April. Morphle, transforme-toi en ballon. Oui. J'aimerais pouvoir me transformer en chose amusante aussi. J'ai une super idée. Tu peux nous transformer en Morphle? Jouons à un jeu! Celui qui rebondit le plus haut gagne! C'est un Morphle! Oh, hein, quoi? Oh, super! En forme hélicoptère! Oh! Ah! Ah! Oui! Morphle gagne! Excusez, monsieur, rendez-vous! Oh! Ça sent mauvais! Suivons-les! Essaye d'atterrir, April! C'est... Oh! Je veux être un robot. Ah!
me suis jamais autant amusée. C'était amusant, mais être Morphle était si difficile. Je suis heureuse d'être à nouveau moi-même. Il ne peut y avoir qu'un seul Morphle et une seule April. Et je vous aime tous les deux. Morphle, mort, mort. On va te dégommer. Oh non, ce sont les bandits. Ouais, et on va répandre cette gelée gluante partout en ville. Non, ne leur dis pas le plan, imbécile. On doit les arrêter. Morphle, transforme-toi en... Pas dans ma ville, Mila et Morphle. Qu'est-ce que tu penses faire? On doit attraper les bandits. Vous devez surtout nettoyer tout ce gluant désordre que vous avez mis. Mais non. Maintenant. Allez, nettoyons ça vite. Maintenant, empêchons ces bandits de rendre la ville gluante. Vous continuez de rendre la ville gluante? Nettoyez tout ça! Mais nous... Maintenant! Ok, officier Freeze. Oui! Encore nettoyé! Besoin de quelque chose qui peut atteindre la bave en hauteur. Morphle, transforme-toi en camion de pompiers. Morphle, mort, mort. Oui, on l'a fait, Morphle. Mais maintenant, on doit attraper ces bandits. Allons-y. Ils sont là. Vite, Morphle, aspergez-les avec de l'eau. Tu peux le faire, Morphle. Non. Donc, c'était les bandits qui mettaient tout ce bazar depuis le début. Ben oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Désolé, Mila et Morphle. J'ai tiré des conclusions hâtives. Et merci pour le nettoyage de la ville. Maintenant, je dois nettoyer les rues des méchants. C'est pas grave. Au moins, on a attrapé les bandits gluants. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. T'es trop mignon, toi. C'est tellement drôle de penser qu'un jour, tu seras grand et effrayant. Avec ce zapper qu'on a volé au professeur Paola, on peut transformer ces animaux en géants. Je suis sûre qu'on va passer une super journée au zoo, Morphle. Oui. Mila, Morphle, les bandits transforment tous les animaux en géants. Oh non, on doit récupérer le zapper. Morphle, transforme-toi en super-héros. C'est pas génial, Barky? Donnez-nous le zapper, bandit.
Je ne pense pas. Yorn, allez appeler. Oh oh, nous n'avions pas pensé à ça. On reviendra. Oui. Super. Maintenant, on va zapper tous les animaux. Là, c'est le pingouin. Et deux, un. Vous êtes devenu petit, mais vous êtes encore plus mignon. Je vous avais prévenu qu'on vous attraperait à chaque fois que vous ferez des méchancetés, bandit. Merci, Mila et Morphle. Si seulement nous avions notre propre animal magique, nous pourrions causer encore plus de problèmes en ville. Regarde, c'est Morphle. Peux-tu nous sortir d'ici? Ouais. Oh non, mes voitures. Comment êtes-vous sorti de prison? Pas dans ma ville. Oh non, c'est l'officier Freeze. Vite, Morphle, transforme-toi en quelque chose de grand. Un T-Rex. Je pensais que tu serais plus effrayant. Oh, un singe. Hé, rends-moi mon appareil photo, s'il te plaît. Yep. Essaye de l'attraper. Yep. Ces bandits ont utilisé un robot pour faire ça. Un robot? On les attrapera, Joe le mécano. Les bandits ont un effrayant dinosaure T-Rex. Un dinosaure et un robot? Comme c'est étrange. On va les attraper, officier Freeze. Ces méchants bandits et leur vilain singe ont coincé mon appareil là-haut. Allons trouver ces méchants bandits, Morphle. Un robot, un dinosaure et un singe? Je pense que ces bandits ont Morphle avec eux. On les attrapera, April. Oh non, c'est Mila et Morphle. Vite, Morphle, transforme-toi en quelque chose de grand. Morphle, transforme-toi aussi en T-Rex. Morphle, non, quelque chose de plus gros. Morphle, transforme-toi aussi en robot. Oh, je ne me sens pas très bien. Morphle, arrête ça. Je vous ai dit qu'on vous attraperait toujours si vous faisiez de méchantes choses, bandit. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Ah, Morphle, n'est-ce pas génial qu'il n'y ait rien de bizarre au zoo aujourd'hui? Il se passe quelque chose de bizarre dans le zoo. Le tigre se prend pour un pingouin.
pour des tigres. Les pingouins se prennent pour des éléphants. Oh, ces animaux désorientés ont besoin de notre aide. Vite, transforme-toi en tigre. Parfait. Bien, va montrer à ce tigre confus comment il est censé agir. Morphel et des tigres. Regardez, ceci est ma nouvelle invention, le Teddy Zapper. Il peut transformer les humains en ours en peluche. N'est-ce pas génial? Morphel joue avec l'ours en peluche Mila. Au revoir, professeur Paula. Au revoir, Mila et Morphel. Maintenant, il est temps de me retransformer. Oh non! Mes pattes de nounours ne peuvent pas attraper le Teddy Zapper. T'as entendu ça? Ouais! J'adore les ours en peluche. Imagine comme nous serions heureux si nous transformions tout le monde en ville en tout petit ours en peluche. Hop là. Oh. Ours en peluche, Mila. Meilleur ours en peluche. Oh. Bondi. Ils ont pris le Teddy Zapper. Pas dans ma ville. Nous allons arrêter ces bandits. Morphel, transforme-toi en tigre. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Votre chapeau magique. Quoi? N'y pensez pas. Hey, retransformez-moi immédiatement. Vous ne mettrez pas la main sur nos chapeaux magiques. Morphel, transforme-toi en T-Rex effrayant. Morphel, on n'avait pas pensé à ça. On doit encore trouver le Teddy Zapper. Vite, attrapons-les. Et si on vous transformait en ours en peluche? Thank you.
tes dissapeurs ne fonctionnent que sur les humains. Oh non! Maintenant, je suis un ours en peluche. Oh, tu es si mignon! Maintenant, nous pouvons zapper tout le monde à nouveau. Ah, c'est mieux. Mais pas pour vous deux. Oh, oh, c'est pas grave. Au moins, j'aurai un ours en peluche avec moi en prison. Yorn, lâche-moi. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Monsieur Miroir, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe dans le monde des miroirs? Ceci est tout à fait dans mes cordes, Mila. Morphel aime le monde des miroirs. Morphel. Non, Morphel, remets-le à sa place, vite. C'est Orphel, dans le monde des miroirs. Tout est à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde. Et comme Morphel est très amical, j'ai peur qu'Orphel ne veuille faire que de mauvaises choses. Bien vu. Il ne faut pas qu'Orphel se promène dans la ville et sème la pagaille. Viens, Morphel, jouons un peu avec Chroma. Bonjour, Morphel. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, officier police, génial. Oh, qu'est-ce que tu fais? Morphel, tu ne peux pas juste me laisser ici. On dirait que quelqu'un te cherche, Morphel. Te voilà, Morphel. Maintenant, fais-moi redescendre d'ici. Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de manigance. Bien sûr, non. Comment ça, non? C'est pourtant toi qui m'as mis sur le toit. Mais Morphel était avec nous à l'intérieur pendant tout ce temps. Non, il m'a mis sur le toit et il en riait. Comme ça. Oh non, ça ressemble à Orphel. Oh, nous devons le trouver. Mais qu'est-ce que tu fais, Morphel? Tu construis quelque chose, hein? Mais si lui c'est Morphel, c'est qui lui? Orphel. Qui c'est qui gagne? Et qui est le vrai Morphel? On doit s'assurer qu'Orphel ne puisse plus prétendre être Morphel. Chroma, pas Orphel en vert. Orphel vert. J'espère qu'Orphel ne nous refera plus le coup. C'était incroyable, Jordi! Merci, c'est le meilleur que j'ai jamais eu! Je veux ce drone! Mon drone! Il vole tout seul! Venez! Wow! Ce truc est difficile à diriger! Ah! Un nouveau jour se lève paisiblement! Wow! Mais qu'est-ce que c'est? Mais... pour qui tu te prends? Oh, officier Freeze! Ah, comment est-ce qu'on pilote ce truc? Quelqu'un peut m'aider? Pas d'inquiétude, officier Freeze, nous volons à votre secours! Vite, Morphel, transforme-toi en camion de pompiers! J'arrive, officier Freeze! Attrapez ma main! Hop!
Merci à vous trois. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin volant? C'est mon nouveau drone. Mais là, il vole tout seul. Non, il ne vole pas tout seul. En fait, c'est Winston qui le pilote. Regardez. Arrête-toi, stupide drone. Suivons-le. Morphle, transforme-toi en grue. Morphle, Morphle. Maintenant, tracte le bus sur la route. Bien joué, Morphle. Merci, les amis. Ouf, c'était moi une. Le drone, suivons-le. Reviens ici. Stop, arrête-toi. Il faut qu'on récupère la télécommande. Et je sais comment faire. Morphle, transforme-toi en hélicoptère. Ouais. Obéis, vilain drone. Reste stable, Morphle. Morphle, ici. Merci. Dépêche-toi, Mila. Travail, Mila. Et voilà, Jordi. C'est comme ça qu'on pilote un drone. Bien joué. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Mila, Morphle, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphle, transforme-toi en maison volante. Ah, Mila, Morphle, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphle pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison de la nature? Bien sûr. Super. On pourra tous voler dans la maison volante de Morphle. Le désert est chaud et sec, c'est la maison parfaite pour un chameau. Morphle, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison, pas vrai, Morphle? Oui. Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphle, c'est un volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphle et moi de rentrer à la maison. Jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphle. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Ah,
Reculez! Qu'est-ce que c'est, officier Freeze? C'est un laser qui échange les corps. Je dois le mettre en sécurité avant qu'il ne sème le chaos dans ma ville. Oups! Je suis désolé, April. J'ai une moustache! Ils ont échangé leur corps! C'est April! Salut, Morphle! Et voici l'officier Freeze! Bonjour, Morphle! Qu'est-ce que... Quoi? Posez-moi! Je veux toute la glace! Officier Freeze! Aidez-moi! Désolé, je suis April! Vite, Mila! Échange-nous! La batterie est vide! Je dois la recharger pour que je puisse vous échanger! Que personne ne s'inquiète! Je m'en occupe! Posez ce camion de glace immédiatement! Les petites filles ne peuvent pas nous dire ce qu'on doit faire! Pas dans ma ville! Ne soyez pas vilains, vilain bandit! Calme-toi, Freeze! Vite, Morphle! Transforme-toi en camion, Ben! Allez, rattrapons les glaces, Morphle! En avant! Attends, en arrière! Un peu à droite! Un peu plus à gauche! Oui! Repose la camionnette! Allons chercher la glace! Ouais! Stop! Vite, Morphle! Transforme-toi en super-héros! Rattrapons-le! On arrive, Géraldo! Plus vite, Morphle! On y est presque! Merci, Mila et Morphle! J'ai volé toute la glace. Pas dans ma ville. Attrapons-les. Attendez, je ne peux pas atteindre les pédales. Je ne sais pas conduire. On va les arrêter. Morphle, transforme-toi en dragon. Morphle, morpha. Grimpez. Arrête-les, Morphle. Et vous trois, direction la prison. Merci de m'avoir sauvé, moi et aussi mes glaces. Avec plaisir. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Morphle? Morphle veut s'amuser. Je sais. Morphle, transforme-toi en monster truck. Monster truck. Passons un monstrueusement bon moment. C'est quoi, monster truck? La glace.
Monster Truck, Orphel. Maintenant, nous pouvons jouer ensemble. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, j'ai fait une glace rouge parfaite pour Morphel. Mais on n'a pas été invité à la fête. Je ne veux pas faire la fête avec Morphel ou sa stupide glace rouge, oncle Yarn. Je veux de la glace violette et je la veux tout de suite. J'ai un plan, Winston. On va voler le camion de glace et faire de la glace violette nous-mêmes. Mon camion de glace. Viens, Morphel, ramenons le camion de glace. Peux-tu te transformer en quelque chose qui nous aidera à voir toute la ville? Morphel, morph, morph. Le voilà. Oh non! Nous sommes coincés! Morphel, transforme-toi en super costume! Morphel, morph-morph! Après avoir fait de la glace violette, nous organiserons notre propre fête et nous n'inviterons personne! Arrête de ricaner et fais-la! Ça n'est pas... Plus de glace. Ne pleure pas. Fais de tes mains un aimant. Comme ça, on pourra ramener ce camion. Morphel, morph, morph. Morphel, transforme-toi en brachiosaure pour les attraper. Braqui, brac, 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 brac. Morphel, morph-morph. Je veux toujours ma glace violette, t'entends? Puisque j'ai pas été invitée à la fête de Morphel. Oh, Winston, c'est pour ça que tu as volé le camion de Géraldo? Oh... Je suis désolée, tu as vraiment dû te sentir exclue. Et j'ai une idée qui va rendre tout le monde heureux. De la glace violette. Oh, merci. Je suis désolée pour ton camion. Joyeux anniversaire, Morphel. Ouais. As-tu hâte d'aller aider April à réaliser son projet artistique, Chroma? Allons-y! Oh! Mila! Bonjour, Morphel! Mila? Transforme-toi en ours géant effrayant! Morphel n'aime pas faire peur! Ce sera amusant, Morphel! Allez, fais-le! D'accord, Mila! Allez, Morphel! Faisons en sorte que cette journée soit espiègle! Je veux dire magique! D'accord, Mila! Après avoir peint avec April, nous pourrons tous manger une glace, Morphel! Morphel? Morphel! Ah! Un ours! Salut, Mila et Morphel! C'est une nouvelle transformation? Oui, oui, c'est ça! Morphel rugit! Hein? Maintenant! Ah! En avant, Morphel! Regarde! C'est April! Allez!
mon reflet du monde des miroirs. Lila la maléfique! Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. Miam! Morphel! Éloigne-toi d'elle! Je suis la vraie Mila! Non! C'est moi! Je sais! Non! Je suis la vraie Mila! Non, c'est moi! Qu'est-ce que c'est? Morphel! Transforme-toi en requin effrayant pour les effrayer! Non, Morphel! Transforme-toi en hélicoptère pour t'envoler! Morphel ne sait pas quoi faire! Ce n'est pas ce que je voulais! Vrai, Mila? Oui, tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi! Je vais leur montrer! Mila, la maléfique s'enfuit! Nous devons mettre Monsieur Miroir juste devant elle! Morphel, transforme-toi en hélicoptère! D'accord! Rentrer chez toi! Jamais! Non! Tu es en sécurité maintenant, Morphel! Morphel et Mila! Morphel, Jordi, on fait un jeu? Ouais! Ouais! Trap-trap! Super! Allez, Morphel, faisons le... Morphel, jouez! J'ai une idée! Vous serez l'équipe Orphel et nous l'équipe Morphel! Ouais! Je suis avec un animal magique! Allez, Morphel! Faisons de cette journée un jour... Touché! Orphel, transforme-toi en avion pour qu'on puisse s'enfuir à toute vitesse! Orphel, le cheval volant! Morphel, transforme-toi en dragon pour qu'on puisse voler très vite et les rattraper! Morphel, Morphor! Touché! Rien de tel qu'un beau costume tout propre, hein, Barky? Mon nouveau costume! Transforme-toi en hélicoptère, vite! Ça plus rapide! Oh, wow! Merci! Hein? Morphel, transforme-toi en balle rebondissante et emmène-nous là-bas! Morphel, mon beau costume! C'est pas vrai! Désolé! Orphel, transforme-toi en voiture de course! Balle rebondissante! Oh, s'il te plaît! On arrive! Touché! Morphel, allonge tes bras et attrape l'équipe Orphel! Ils sont incontrôlables! On a assez joué pour aujourd'hui. Moi aussi. Mon costume était tout. Mais c'est quoi ce bruit? Comme je disais, mon costume était tout. Yeah!
perdu sa couleur. Wow! Morphle, transforme-toi en pinceau magique. Morphle, l'herbe n'est pas bleue, elle est verte. Blanc. Ah, alors c'est toi qui as volé toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs n'est pas amusant du tout. Animaux avec des couleurs amusantes. Oui. Oh. Tu es là, Chroma. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Ses couleurs d'origine. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Wow, vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chroma font une super équipe tous les deux. Tu ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Hein? Morphle, où es-tu? Morphle! Oh! Oh! Mila! Oh! Morphle! Ce n'est pas assez fort. Morphle ne m'entendra jamais. On doit trouver un autre moyen. J'ai trouvé de la glace. Ce n'est pas le moment de manger. Mais non, papa. Morphle adore les glaces. Il va certainement s'arrêter ici pour en prendre une. Mila! Oh! Aucun signe de Morphle. Plutôt que d'attendre qu'il nous trouve, faisons-lui savoir où nous sommes. Mais comment allons-nous faire? Morphle adore cette musique.
quand il l'entend, il vient chercher une glace immédiatement. Très bon plan, Mila. Attraper Animi. Une fois qu'Animi aura donné vie à notre animal magique, nous aurons la parfaite créature voleuse de bonbons. Yorn, vas-y. Il est vivant. Allez, va nous voler des bonbons d'Halloween. Animi plus là, allons le chercher. Oh, c'est toi, Morphle? Voler des bonbons? Pas dans ma ville. Eh bien, voilà mes menottes extra larges. Un géant, Morphle. C'est une sorte de Frankenmorphle et il vole les bonbons de tout le monde. Non. Ah, non. Morphle, transforme-toi en loup-garou et sauve Géraldo. Oh, merci, Morphle. J'ai cru qu'il allait me manger comme une glace. Frankenmorphle est en train de partir. C'est vraiment un super costume. Mais où est Mila? Tu aurais dû te demander si tu voulais des bonbons. Notre animal magique est si maléfique. Il est encore plus beau que je ne pouvais l'imaginer. Mais bonbons. Il faut retrouver Animi et annuler le sort jeté à Frankenmorphle avant qu'Halloween ne soit gâché. Oui, joue le jeu, Morphle. Hé, hey, Morphle, est-ce que ça te dirait de goûter à ces délicieux bonbons? Ah, bonbons délicieux. Morphle, transforme-toi en balai et vole autour de Frankenmorphle. Animi, remets Frankenmorphle à la normale. Maintenant, vous, les bandits, allez devoir rendre à chacun ses bonbons d'Halloween. Les animaux magiques ne doivent pas seulement obéir à vos ordres, ils doivent vous faire confiance et être vos amis. Ce qui fait de chaque jour un jour magique avec un animal magique. Bien attrapé, Mila. Il a atterri dans mon chapeau. Un requin! Il y a un requin! Oh, oh non! On doit l'aider! Morphle, transforme-toi en bateau de course pour qu'on puisse vite aller l'aider! Morphle! Oh, à la rescousse! Youhou! Coincé dans les algues. Je vais t'aider, Morphle. Oh! Tu vas bien? Je vais bien, mais je n'ai pas vu où le requin est allé. Je suppose qu'il est reparti. Morphle, tu dois te retransformer en toi-même pour te libérer. Ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité, je te le promets. Nous sommes avec toi et ce stupide requin n'est plus là. Allons jouer. Et si on faisait la course pour regagner la plage? C'est parti!
pense qu'Orfel fait juste semblant d'être un requin effrayant. Il nous fait une farce. Ce n'est pas très gentil. Non, tu as raison. On devrait peut-être montrer à Orfel ce que sa farce nous a fait ressentir. Morphel, s'il te plaît, transforme-toi en un plus gros requin qu'Orfel. Morphel, on ne veut pas être méchant, Morphel. Nage simplement autour d'Orfel. Je voulais te montrer à mon tour ce que l'on ressent. Orfel, désolé. Je suis sûre que tu ne voulais effrayer personne. Orfel veut jouer. Pourquoi ne pas jouer à un jeu tous ensemble? Ouais. On pourrait jouer à cache-cache ou au polo dauphin. Marfel et Orfel pourraient se transformer en dauphin et on pourrait les chevaucher. Marfel et Orfel. Ce n'est que moi. Ce n'est pas un requin. C'est papa qui porte son chapeau aileron de requin. Oh, papa. Hey, que diriez-vous d'une course entre papa et les dauphins? Ouais. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Fini. C'est une machine à remonter le temps vraiment cool. Merci pour votre aide, professeur Paola. J'ai hâte de la porter à l'exposition. Wow! Je veux ce truc. La machine a voyagé dans le temps. Allons dans le futur. Morphle, transforme-toi en fusée pour qu'on puisse poursuivre les vilains bandits. Waouh, on est dans le futur. Regarde, les voilà. Ce chien robot est génial. Donne-le-moi. Bark, bark. Si c'est un robot qu'il veut, on va lui en montrer un. Mafla! Laisse tomber, Winston! Lâche-le, c'est à moi! Morphel, transforme-toi en Triceratops et viens nous sauver. Morphel, Morphel,
Ne t'inquiète pas, Murphle, tu vas prendre le coup de main. Mais tu ne seras jamais aussi bon que ce petit gars. Voici Boba, notre nouvel animal magique. Boba adore faire des bulles. Il a tendance à buller de joie à cause de ça. Oh, oh, tu vois? Ça a l'air amusant. Boba, c'est assez haut, là. Je ne peux pas sortir. Morphle, transforme-toi en quelque chose de grand. Hein? Ah, le camion à bain. Wow. Maintenant, Morphle sauve Mila. Mila? Oh, oh. Qu'est-ce que... Ah, à l'aide! Aidez-moi! Morphle, au secours! Oh non! Il y a une voiture qui tombe du ciel! Te voilà, Boba. Écoute, tu ne peux pas juste faire des bulles magiques partout. Ça cause beaucoup de problèmes. Papa! Morphle, tu peux éclater ma bulle? Oh! 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 Ouf! Merci, Morphle. Dans la bulle de savoir si j'allais revoir ma voiture. Eh bien, Boba, la prochaine fois que tu fais des bulles, ne le prends pas si littéralement. Morphle rebondit plus haut. Oui. Bonjour, Mila, Morphle, Boba. Est-ce que vous avez vu ma dernière invention? Waouh, ça a l'air génial. Qu'est-ce que ça fait? Elle peut agrandir n'importe quoi. Est-ce qu'il peut rendre les bulles de Boba plus grosses? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Maintenant,
plus. Ta-ta-ta. Méga Morphel. Oh. Le voilà. Nous sommes là pour t'aider, Boba. Maintenant, nous devons nous occuper des autres bâtiments. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Écoute, Mila, tu es malade. Tu restes à la maison et tu te reposes. Mila malade ? Oui, Morphel. Je vais devoir aller chercher des médicaments en ville, alors j'aimerais que tu veilles sur Mila pendant mon absence. D'accord. Oh, mais je me sens très bien, moi. Descends, mon chien. Redescends. Je me demande ce qui se passe. Mais Tati a dit... Allez, Morphel, rendons cette journée médicale. D'accord. Oh. Comment par qui est-il monté là-haut? Il poursuivait un chat. Pouvez-vous l'aider à descendre, Mila et Morphel? Bien sûr. Transforme-toi en... Transforme. Je pense qu'elle veut dire transforme. Oui. Transforme-toi en... Chou. En trampoline. Ok. Pas du tout, je voulais dire en ptérodactyle. Mon gâteau, mon bon gâteau. Je vais devoir en faire un autre. Ne vous inquiétez pas, monsieur Vanderbus. Nous allons ramener Barky. 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 Le voilà. Oh, une voiture. Il est temps de te transformer. Transforme-toi en... Oh, j'allais dire en camion. Tu sais, un camion qui fait bip bip. Mila. Allez, Morphel, il faut qu'on trouve Barky. À qui Mila parle? Oh. Oh, te voilà, Morphel. Où est Barky? Le mot. Suis-moi-le. Barky, attends. Vite, transforme-toi en dauphin. Un dauphin. Tu sais. Oh, un dauphin. Je te tiens. Retourne au revoir, monsieur Vanderbus. Merci d'avoir sauvé Barky, Mila et Morphel. Rentrons à la maison, ma petite boule de poils. Allez, Morphel, allons voir qui a besoin d'aide. Transforme-toi en... Je crois que tu as eu ton lot d'aventures pour aujourd'hui, Mila. Tu as besoin de dormir. Aïe. Chaque jour est un jour basique avec Daddy Ball Belgique. Et merci encore de t'occuper du centre des animaux magiques quand nous serons partis, Augustine. Non, Morphel va rester ici avec les autres animaux magiques. Salut, Morphel. Tu es prêt à jouer? Ouais. Morphel ne veut pas que Mila parte. Partir? Mais je viens d'arriver. Daddy a dit Mila partir. Daddy ne ferait pas ça. Allez, j'arrive. Ce sont mes affaires. Daddy et moi allons vraiment déménager. Non, Mila. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas laisser ça se produire. La camionnette devrait arriver d'une minute à l'autre. Je sais. Morphel, transforme-toi en camionnette. Dépêche-toi. Bip, bip, bip. Ah, la voilà. Beau travail, Morphel.
Vite, remettons le carton à l'intérieur. Morphel, cache-toi. D'accord, ok, c'est bon. Pourquoi ce carton est à nouveau là? Oh non, suivons-le. Mais, Daddy... Allez, viens, en voiture, Mila. Il se fait tard. Et que fais-tu de Morphel? Ne t'inquiète pas, il sera bien ici. Mais Daddy... Youhou! Louis, je viens te remplacer. Tu es pile à l'heure, nous étions sur le point de partir. Morphel, emmène tante Augustine loin d'ici pour que Daddy ne puisse pas partir. Augustine? Elle a dû rentrer à l'intérieur. Ok, Mila, on y va. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Ne nous laisse pas partir. Mila, reste avec Morphel. Oh. Hey. Oh. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Mila? On ne peut pas abandonner Morphel. Mila, ne t'en vas pas. On part seulement pour l'après-midi. Juste l'après-midi? Mais alors on ne va pas déménager? Déménager? Où as-tu trouvé une idée pareille? Morphel t'a entendu remercier tante Augustine pour reprendre le centre des animaux magiques parce que nous déménagions sans Morphel. Oh, tante Augustine a simplement proposé de s'occuper du centre pendant que nous allons faire des dons en ville. Oh, c'est pour ça que mes vieux vêtements étaient dans le carton. Morphel, pas rester seul. Nous ne t'abandonnerons jamais, Morphel. Nous sommes une famille. Oui. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Waouh. Waouh. Regardez cette étoile qui traverse le ciel à toute vitesse. C'est une étoile filante. Jette un œil. Ah. Oh, waouh. Savais-tu que lorsque tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu? Les étoiles filantes réalisent les vœux? Oui! Orphel veut une étoile qui fait des vœux. Trouvons un endroit plus haut d'où nous pourrons mieux voir l'étoile filante. Comme le sommet d'une montagne. Morphel, transforme-toi en super costume. Morphel! Orphel, plus rapide! Orphel veut l'étoile! Morphel, ajoute un jetpack sur le super costume! Je souhaite...
souhaite que chaque jour soit un jour magique avec des animaux magiques. Nous avons appris la sécurité incendie à l'école aujourd'hui, Morphle. Bien vu, Morphle. Maintenant, nous sommes prêts si jamais il y a un incendie. Vimy. Morphle, je sais comment on peut éteindre le feu. Monsieur Vanderpuss, vous allez bien? Morphle et moi avons vu de la fumée. J'étais en train d'allumer mon barbecue. Oh, nous sommes désolés, Monsieur Vanderpuss. Vous savez ce qu'on dit, la sécurité d'abord. Oui, et l'appétit en second. Sois attentif au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de notre aide, Morphle. D'accord. Hein? Morphle, je sens de la fumée. Là. Morphle, on va avoir besoin d'un gros camion de pompiers pour combattre cet incendie. D'accord, Mila. Par ici, Morphle. Utilisons ta lance à incendie et éteignons le feu. Oh, Monsieur Vanderpuss, mais que faites-vous ici? On ne peut pas faire un barbecue n'importe où en paix. Oh non. Oups. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis en sécurité. Enfin tranquille, hein? Personne ne va nous déranger ici. Que le barbecue commence. Mila, Morphle, je suis vraiment contente de vous voir. Barky, que quelqu'un sauve Barky. Morphle, transforme-toi en camion Ben. C'est comme ça qu'on éteindra le feu. Vite, ramasse beaucoup de sable. Ah, excellente idée, Mila. Maintenant, jette-le sur le feu. Oh, bon travail, Mila et Morphle. Merci beaucoup, pompier Stacy. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Je dois partir faire quelque chose maintenant, Morphle. Morphle, viens. Désolée, c'est un secret, donc tu dois rester ici. C'est pas grave, je reviendrai bientôt. Bye bye, bye Morphle. Oh. Qu'est-ce qui va pas, Morphle? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour. Morphle, Mila, Mila. Bonjour, Morphle. Oh, mon ami, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mila est là? Elle n'est pas là. Désolée. Elle n'est pas là. Hé? Mila est là?
Non, Morphle. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans le coin. Où est Mila? Morphle pleure. Pas dans ma ville. Allez, Morphle, sèche ses larmes. Mila t'attend sûrement à la maison. Pas si vite, Morphle. Tu n'as pas encore vérifié l'arrière-cour. Surprise! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique et de bons amis. Ah ! Hé, les amis, regardez ce que j'ai fait. Pour mes meilleurs amis. Ouais. Hein ? Oh. Morphle ? Je voulais lui donner son badge. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh oh! Morphle mort! Ballon! Morphle! Oh, mais où a-t-il bien pu aller? Ne t'inquiète pas, Mila! Nous allons le chercher ensemble! Merci, April! Par où commencer? Allons voir tous les endroits qu'il aime! Commençons par le camion de glace! Badge de meilleur ami pour moi. Badge de Morphle pour Mila. Tu n'auras pas mon badge. Il ne nous trouvera pas. Géraldo, as-tu vu Morphle? Oh. Oh non, Morphle a des ennuis. Je dois l'aider. Mais comment aller là-haut? Morphle! Mila! Tu vas bien? Bandit méchant! Morphle, transforme-toi en costume de super-héros pour qu'on puisse les arrêter ensemble! Morphle, Morphle! Il faut qu'on aille plus vite. Vous ne passerez pas, bandit. D'accord, voici ton badge. Attends, tu ne l'avais pas fait pour moi? Morphle, as-tu fait ce badge pour moi? Je l'adore. Es-tu triste parce que tu n'as pas eu de badge? Mila, fais badge pour Morphle! Bien sûr! Tu es non seulement mon meilleur ami, mais tu fais aussi de chaque jour un jour magique! Bonjour, Mila et Morphle! Bonjour, Tante Augustine! Cadeau pour Tati! Nous l'avons fabriqué avec nos bouteilles recyclées! Oh! C'est absolument magnifique! Oh! Merci! Je sais! Et si je vous offrais du gâteau? Morphle adore les gâteaux! Oh! Mon collier! Il a disparu! Ne t'en fais pas, Tante Augustine! On va le retrouver! Oh! C'est une affaire pour l'inspecteur Mila! Ah ah! Notre premier indice! Oh! Un papier de bonbons! Comment trouver collier? Je sais! Morphle, transforme-toi en chien renifleur! Hop!
Ça suit l'odeur des bonbons. Bon travail, Morphle. Tu as trouvé un autre bonbon. Hein? Qu'y a-t-il, Morphle? Il n'y a plus de bonbons. Il doit y avoir d'autres indices par ici. Ah ah! Notre deuxième indice. Maintenant, on sait qui a pris le collier de Tante Augustine. C'est un lapin? Non, voyons. Les bandits. Ça doit valoir beaucoup d'argent. Rendez le point. Collier de Tati. Vite, partons d'ici. Viens me chercher. Hé, revenez ici. Transforme-toi en deltaplane. Ils sont là. Bandit, trop rapide. Morphle, atterris là-bas. Morphle, transforme-toi en araignée. Morphle, prépare-toi à faire une grande toile entre les bâtiments. Maintenant, Morphle. Beau travail, inspecteur Mila et Morphle. Vous avez attrapé les voleurs de colliers. C'est mon collier. Je récupère ceci. Oh, je vous remercie. Si vous aviez évité cette toile d'araignée géante, nous aurions pu vendre ce collier pour beaucoup d'argent. Winston, Morphle et moi avons fait ce collier avec du plastique recyclé. Tu avais dit qu'il était fait en diamant. C'est peut-être fait en plastique, mais c'est la chose la plus précieuse que je possède, parce que vous deux l'avez fabriqué. Merci. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Rendons ce jour magique. Morphle, transforme-toi en moi. Maintenant, enfile ça et on pourra faire des farces à papa et à nos amis. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Morphle être Mila. Oh, ah, c'est toi, Mila. Je ne t'ai pas vu descendre. C'est parce que j'étais encore là-haut. Alors tu dois être Morphle. Salut Mila, est-ce que Morphle et toi vous voulez jouer? Morphle, pas ici, mais Mila, jouez. Super, allons-y. Salut Mila. Salut. À quoi on joue Mila? Tu es la meilleure pour trouver des jeux drôles. Chat. Ouais, ok Mila, c'est toi le chat. Morphle n'est pas avec eux. On peut donc leur voler tous leurs jouets. Excellente idée. Hé, hey, c'est à nous. Merci pour le hula hoop. Mila. Hey, c'est pas gentil. Mais
qu'est-ce qu'il se passe? Fais-moi descendre! Ah! Il y a 2000 ans! Hé! Reviens! Morphel! Alors, est-ce que c'était drôle d'être moi? Oui! Mais Morphel préfère être Morphel! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique! Hé, hey, Mila et Morphel, prêts pour un pique-nique? Oui, papa! Oui, pique-nique! Nous allons au parc. Prenez bien soin du centre des animaux magiques pendant notre absence. Bye-bye, tout le monde! Allez, Morphel, rendons ces jours magiques! Ils sont partis! Maintenant, on peut voler Atmo et utiliser ses pouvoirs de congélation grâce au dôme de la voiture! Oh. Pas mal! Berk! Et je te tiens! Maintenant, les pouvoirs de congélation d'Atmo sont canalisés dans le dôme! Eh bien, bonjour, madame! Je voulais savoir si la chaleur vous dérangeait. Oui, terriblement! C'est gentil de demander! J'ai là! Et c'est beaucoup mieux, non? Ça a l'air d'un endroit parfait pour un pique-nique. Wow! Hé, hey, de la glace, ici? Ce sont les bandits. Ils ont Atmo et utilisent son pouvoir de congélation pour faire de la glace. Oh, Atmo! Allez, tire! Oh, oh non! Ils ont congelé Morphel. Morphel, transforme-toi en quelque chose de gros pour briser la glace. Morphel! Bien joué, Morphel! Maintenant, on doit attraper ces bandits avant qu'ils ne congèlent toute la ville. Geler les gens? Ah, pas dans ma ville! Ne bougez plus, bandits! Ok, officier Freeze! On va les avoir! Ouf! Merci d'avoir fait fondre la glace, Morphel! Maintenant, transforme-toi en Monster Truck pour la glace! Et que penses-tu de ça? Oh! 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 Mon magnifique camion de glace! Mangeons de la glace pour le pique-nique. Hurrah! De la glace! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Oh non! Regarde! Marie la bâtisseuse détruit la ville! Mais pourquoi ferait-elle ça, Morphel? Là! Pas dans ma ville! Oh! Zappe-le avec l'hypnorion, Yann! Laisse-la démolir ce bâtiment! Détruis le bâtiment! Morphel, hein? Transforme-toi en robot géant pour être aussi grand que les bâtiments! Morphel! Empêche Marie de détruire la ville, Morphel! Morphel, arrête Marie! Non, Morphel! Aide-la à détruire la ville! Ok, bandit! Oh non, Morphel est devenu mauvais! Grâce à cet hypno-rayon que nous avons volé à Paola la scientifique,
tout le monde dans la ville devra faire ce que nous disons. Donne-nous des glaces gratuites. Glace est gratuite. Papa, les bandits obligent tout le monde à détruire la ville. Comment pouvons-nous les arrêter? J'ai un plan. Nous sommes de brillants bandits. Et tout ça grâce à cet hypno-rayon. Papa, attrape les bandits. Hey! Paola, prends l'hypno-rayon. Je récupère ça. Vite, déshypnotise Morphel. Oh, Marie, et l'officier Freeze. Morphel et Marie la bâtisseuse, pouvez-vous s'il vous plaît reconstruire la ville? Officier Freeze, arrêtez ces bandits. Pour avoir saccagé la ville, vous deux allez en prison. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ce que Mila lui dit de faire? Ouais, tu les as hypnotisés. On n'a pas fait ce que Mila a dit parce qu'elle nous a hypnotisés. On l'a fait parce qu'elle avait un super plan. Hein? Forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas très gentil. Beau travail à tout le monde. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Oh, joli. Cadeau pour Morphel. Pas tout de suite, Morphel. Tu vois ici, en ville, absolument tout le monde met ses cadeaux sous ce grand sapin. Puis, nous les ouvrons tous ensemble. Morphel attend tout le monde. Orphel, qu'est-ce que tu fais ici? Orphel veut cadeau maintenant. Cadeau pour Orphel. Les cadeaux. Je rêve. Il faut se dépêcher. Morphel, transforme-toi en motoneige. Stop. Allez-y. Stop. Allez-y. Morphel, stop. Morphel, aussi un cadeau. Surprise! Un cadeau pour Orphel.
Monsieur Vanderbus, Morphel et moi avons aussi un cadeau pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Hey, Barky. Oh. Joyeux Noël. Ah, ce sérum de croissance des cheveux me donnera une magnifique chevelure, Barky. Oh. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Daddy? Daddy poilu. Hein? Ah, oh, ce truc ne marche pas. Oh là là. Bonjour à tous. Hein? Ah! Un monstre! Oh. Hé, vous, arrêtez-vous. Oh, un monstre poilu. Pas dans ma ville. Oh, ce n'est pas un monstre, c'est d'un... Recule, Mila. Cette chose a l'air dangereuse. Ah, cours! Ah. Stop! Tu ne m'échapperas pas! Bon, attrapons ce pulvérisateur de cheveux, puis trouvons Daddy pour le ramener à la normale au plus vite. Vite, par ici! Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, Monsieur Vanderbus. J'en ai vaporisé sur toute ma tête, mais regardez, je n'ai toujours pas de cheveux. Morphel, je sais comment on peut aider Daddy. Transforme-toi en singe. Faufile-toi là-bas et prends le pulvérisateur. Non, vraiment, je ne comprends pas. Beau travail, Morphel. Pas encore. Ça y est, je te tiens. Oh là là. Mila, je suis coincée à l'extérieur du centre des animaux magiques. S'il te plaît, viens me sauver. Nous sommes en route. Morphel, transforme-toi en kangourou. C'est l'heure de rebondir. Oui. Ne bouge plus. Attendez, s'il vous plaît. Ah. Oh non, non, non. Je t'ai eu. Non. Le monstre est trop dangereux. Rapproche la camionnette. Morphel, transforme-toi en grue. Morphel, Morphel. Bien joué, Morphel. Rapproche-moi de Daddy. Encore un peu. Voilà. Non, arrêtez-vous. Laissez mon Daddy partir. Ce n'est pas ton Daddy, c'est un monstre poilu. Ah oui? Oh, merci, Mila et Morphel. Hein? Je ne comprends pas. Il y avait un monstre poilu là il y a une seconde. Ne vous embêtez pas avec ce truc. Ça ne marche pas du tout. Vous voyez? Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Papa va adorer le gâteau qu'on a fait pour lui, Morphel. Travaille si dur pour s'occuper de nous, il mérite bien des surprises de temps en temps. Oh, gâteau! Orphel adore les gâteaux! Hé, passe ça tout de suite! Il faut qu'on récupère le gâteau. Morphel, transforme-toi en balle rebondissante. Morphel, mort! Rends-nous le gâteau, Orphel. Non, non. Encore toi. Mon fils, désolé. Toi. De course pour qu'on puisse attraper Orphel. Morphel, mort. Pas encore.
debout. Ah, oh, nous avons fait ce gâteau pour papa. Venez le chercher. Ah. Morphel va gâcher le gâteau de papa. Nous devons le récupérer. Morphel, transforme-toi en robot. On peut toujours rendre ce jour magique. Merci. J'espère que vous ne vous êtes pas donné trop de mal. Pas du tout, papa. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. J'ai tellement hâte de fêter l'anniversaire surprise d'April. J'ai vraiment hâte de voir la tête que va faire April. Je l'ai invitée à venir jouer et elle ne se doute de rien. April va vraiment adorer ses ballons. Ok, chut. Tout le monde va devoir se cacher. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Oh, oh non! Les ballons s'en vont. Mila, April est là. J'arrive tout de suite, Daddy. Les garçons, retenez April pendant que Morphel et moi récupérons les ballons. C'est d'accord. Morphel, vite! Transforme-toi en hélicoptère pour qu'on puisse rattraper les ballons. Morphel, Morphel! Bien joué, Morphel! Morphel, est-ce que tu vois des ballons? Là! Oui, poursuis-les! Presque! Presque! Les voilà! Oh non! On arrive! Salut, April! Jordi? Troy? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Mila nous a invités à jouer aussi! Cool! Allons jouer à l'intérieur! Attends! Vite! Regarde par ici! Je ne vois rien. Laisse tomber. Ils sont là. Vite, suis-les. Merci, monsieur l'éléphant. Oh non, les défenses de l'éléphant vont éclater les ballons. Oh, attention, Morphel. Reste. Oh, encore. Vite, Morphel, suis-les. Morphel, transforme-toi en avion pour qu'on puisse voler au-dessus du chantier et attraper les ballons avant qu'ils n'éclatent. Marie la bâtisseuse. Oh. Oups. Désolée, Mila et Morphel. Suis ces ballons. Plus vite, Morphel, plus vite. Je les ai. C'est du beau travail, Morphel. Oui. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour surprendre April. Hein? Mila, tu es pile à l'heure. Sérieusement, les gars, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouch. Désolée, mais je rentre. Surprise! Joyeux anniversaire, April! Oh, waouh! Vous avez fait tout ça pour moi? Merci! Et des ballons, mes préférés! Où est passé Morphel? Ouais! Morphel! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique! Ces fleurs sont superbes, Mila! Je pense qu'il faut un peu plus de terre autour des jaunes. Oh non, Morphel, tu tombais partout.
Tu es un Morphle boueux. Trop boueux. Allez, Morphle, rendons cette journée magique. Et prenons un bain. Ce bain semble si chaud et agréable. Et regarde, je le remplis de mousse. Morphle, va au bain. Allez, Morphle, c'est l'heure du bain. Morphle, oh, oh. Oh. Tiens bon, Morphle. Peut-être qu'il devrait se transformer en boule. Mais il rebondirait. Oh, oui, je sais. Morphle, transforme-toi en pingouin pour que tu puisses plonger dans la piscine. Morphle, Morphle! Je te rattrape, Morphle. Oh! Oh! Morphle glisse! Wow! Un pingouin qui glisse? Salut! Morphle, je viens te chercher. Il faut que tu t'arrêtes. Tu mets de la boue partout. Attention, monsieur vent debout. Morphle, transforme-toi en une énorme éponge pour absorber l'eau et nous arrêter. Morphle, Morphle. Ma glace. Ouais, de la glace. Oh, fais attention, Morphle. Maintenant, je suis tout mouillé. Burk. De la boue? Je n'aime pas du tout la boue. Rentre chez toi et nettoie toute cette boue. Je suis désolée, monsieur Vent Debout et Barky. Ce sera fait. Ok, Morphle, éponge spongieuse, va te mettre dans le bain pour nettoyer tout ça. Eh bien, on a enfin réussi à mettre notre Morphle boueux au bain. Je sais. Maintenant, tu es tout propre, Morphle, et tu peux sortir du bain. L'heure du bain de Morphle, Morphle reste. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Vous voulez jouer à cache-cache? Ouais. Mais surtout, ne sortez pas du jardin au cas où ces vilains bandits seraient dans les parages. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? J'arrive! On arrive bientôt. Porte! J'ai une meilleure idée! Volons ce vélo! Trouvé! Tu es très douée à ce jeu, Mila! Mais je ne trouve pas Morphle. Tu le vois quelque part? Non, il se cache vraiment très bien. Morphle! Morphle! Tu peux sortir de ta cachette. Demandons à l'animal magique Glitterpug de nous transformer en Morphle. Waouh! Merci! Je vais me transformer en voiture de course pour le trouver rapidement. Si je pouvais voler, alors je pourrais chercher Morphle dans toute la ville. Génial! Je suis un super-héros! Je vois Morphle! Mais les bandits le tiennent! Stop! C'est la levée des ponts! On peut le faire! Je vous ordonne de vous arrêter! Hé! Hey! Morphle, transforme-toi en hélicoptère pour survoler le pont! Merci, Mila! Maintenant, on a notre propre hélicoptère! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée! Suis-moi! Ah.
Volons ces vélos et fuyons d'ici. Mila? Oui, c'est moi, Morphel. Monte. Amenons ces bandits là où ils devraient être. Désolé, Morphel fera ce que Mila dit la prochaine fois. C'est pas grave, car chaque jour est un jour magique avec de super amis magiques.